Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon colis de Mano Mano, donc une serre de 18 mètres carrés qui vient de chez ID Market. Et dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de ce produit. Allez, c'est parti. Donc là, on a la composition du colis qui est composée de deux cartons. Donc là, on peut voir la première partie du montage qui est finie, donc la structure métallique qui est toute assemblée. Donc là, on a un exemple de raccord avec le renfort, donc la vis boulon avec l'écrou qui est serré. Ce que vous pouvez voir en rouge sur le côté, en fait, c'est du scotch double face que j'ai acheté en mousse qui vient se mettre sur les barres. Donc ça, je l'ai pris en plus, qui vient se mettre sur les barres et c'est du double face en fait qui va venir coller à la bâche en même temps. Donc là, on peut voir les arcs de cercle qui sont eux aussi renforcés par des tiges. Donc ça donne une idée de la structure. La dernière étape consiste au montage de la toile qui se monte comme une toile de tente en une seule partie. Là, on a l'ouverture avec les zips, les fermetures éclair de chaque côté. On peut voir donc sur les côtés de la serre, on a des fenêtres, donc des ouvertures pour l'aération, qui elle s'ouvre et se ferme avec des scratchs. Et là, vous avez donc l'ensemble monté. Donc la serre est maintenant finie de monter. Il a fallu 2 heures à peu près à deux personnes. Au niveau des écrous, plutôt que de mettre des écrous standards, il aurait fallu mettre des écrous freins. Et les sardines sont un peu faibles. Elles ont tendance à vite se tordre dans la terre. L'ensemble de la structure, une fois montée, solide avec une bonne résistance au vent. La bâche, on verra dans le temps, mais par rapport aux intempéries, aux grêlons. Mais l'épaisseur et la composition, le renforcement semblent d'une bonne qualité. Pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est un bon investissement, surtout par rapport à la grandeur de travail qu'il y a à l'intérieur de la serre et par rapport à sa résistance. Donc je le conseille vraiment à beaucoup de personnes qui voudraient se mettre au jardinage, surtout sous une serre. Donc pensez-y et bon jardinage.